Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et du prince Harry. Je vais parler des dernières nouvelles sur le couple. On vient d'apprendre, en fait, que la reine Elisabeth aurait rencontré Lilibet. Lilibet est l'enfant que le prince Harry et Meghan Markle ont eu il y a de cela presque un an. Et elle porte le nom Lilibet en hommage à la reine d'Angleterre. Elle s'appelle Lilibet Diana, d'ailleurs, en hommage à la reine d'Angleterre pour Lilibet et Diana en hommage à la maman du prince Harry. Ça fait 11 mois que la reine d'Angleterre n'a pas vu Lilibet, puisqu'elle n'est pas née en Angleterre, elle est née en Californie. On avait beaucoup d'articles dessus sur quand ils vont se rencontrer, pourquoi ils ne vont pas se rencontrer. Il faut rappeler que le prince Harry était aux États-Unis et n'a pas pu amener sa petite famille parce qu'il y avait encore la pandémie qui dominait et les recommandations ne permettaient pas l'utilisation d'un avion, en tout cas pour un enfant aussi jeune que la petite Lilibet. Donc maintenant, c'est fait, c'est confirmé d'ailleurs par Omid Scobie, un journaliste qui a des news directement du porte-parole de Meghan Markle et le prince Harry. Et il a confirmé que la reine a finalement vu Lilibet. Sincèrement, j'aurais voulu avoir des photos. J'espère qu'ils vont publier parce que je suis sûre qu'ils ont pris des photos pour marquer ce moment. Et ça sera publié sur le compte de la reine d'Angleterre. Je crois que ça sera fait le jour de l'anniversaire de la petite Lilibet qui est le 6 juin prochain. Donc voilà, c'est fait, chose faite. Lilibet a vu son arrière-grand-mère. C'est un moment assez exceptionnel vu que Lilibet rencontre Lilibet. En tout cas, c'est la narrative qui circule. Oui, c'est mignon, c'est beau, c'est tout doux comme on le veut dans le meilleur des mondes. Et on espère vraiment que ça permettra de solidifier les liens entre la reine et son petit-fils, qu'elle pourra le soutenir un peu plus de façon publique et ne pas trop penser à son devoir. Et voilà, les fans de Meghan Markle souhaitent voir la photo de la petite Lilibet, mais comprennent que le couple ne veut pas les poster, et ce pour des raisons de sécurité. Mais les détracteurs de Meghan Markle qui détestent le couple veulent encore plus voir ces photos. Ils réclament ces photos, mais ils n'ont aucun droit de réclamer quoi que ce soit parce qu'ils ne paient plus pour ce sexe. Ils étaient tellement contents de ne plus avoir à payer pour eux que ils n'ont aucune photo, aucun droit de réclamer quoi que ce soit. Donc on est content. Une chose de fait, la reine a vu Lilibet, il n'y aura plus de chantage, il n'y aura plus de « oui, Harry et Meghan n'ont pas montré Lilibet à la reine, c'est terrible, donc on ne pourra plus utiliser ça contre eux ». Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.